Yo. J'espère que vous allez bien. Excusez, j'ai comme des petits bouts de taquine puis de jaunet dans la barbe. J'espère que vous allez bien. On est rendu vendredi le 27 octobre. Il est 7h40 quelques du matin. Moi aujourd'hui, je travaille pas. Après-midi, c'est la fête. C'est le mariage à mon frère. Donc, faut que je sois à 1h au notaire pour en tant que témoin. Donc, c'est ça. Là, je suis déjà debout parce que Johnny, elle travaille ce matin. Mais là, vu qu'il fait frais ce matin, elle m'a réveillé pour que j'aille prendre une marche avec elle. Une petite marche. Elle m'a fait un bon café dans un thermos pour la marche, pour me convaincre. Donc, on va aller prendre une petite marche. Profiter de l'air frais. Il fait 18, je pense, en ce moment. Donc, on va en profiter. Tu sais, je peux sortir avec un hoodie pis tout. Fait que c'est ça le plan de match. Fait qu'on va vous emmener au fur et à mesure de l'avancement de la journée. À tantôt. Et on a mon petit déçu. Oui. Ouais. T'as tout pété ici. On est arrivé trop tard pour les cocombes de jardin dans notre jardin communautaire qu'on vous a déjà montré. Tout a déjà été ravagé. C'est marrant. Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Là, je suis arrivé au Yuzu. Le derrière de mon volant, il est ça. Je suis arrivé au Yuzu pour chercher la commande qu'on a préalablement commandée hier. Mais là, j'étais un petit peu d'avance. Ça, je me suis dit, moi, vous jaser un peu. Pas ça, faut que j'arrête au Starbucks. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas été. Non, c'est ça. Johnny vient de tomber dans sa semaine. Là. Puis, est dans les grosses douleurs, les grosses crampes, pis ci, pis ça. Puis là, en plus qu'on a le mariage de mon frère tantôt, fait que c'est comme pas full le bon moment pour pas bien filer. Fait que, tu sais, ça a l'air bizarre dans ma mère, j'ai dit, mais je sais que c'est pas de sa faute, pis tout, là. Mais je parle qu'elle a le goût de se tirer une balle parce que ça a le pas goût de se sentir de même, pis avoir à faire des choses, peu importe c'est quoi. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui ferait du bien ou whatever. Puis elle m'a dit un petit Starbucks. Ça y ferait du bien. Fait que je vais aller chercher un petit Starbucks. Puis sinon, c'est ça. Je suis venu chercher les sushis. Après ça, il faut que je retourne à la maison. Mettre ça au froid. Dans un petit cooler avec des ice packs. Parce qu'après ça, avant de s'en aller directement chez mon frère. Faut qu'on aille au notaire puis tout. C'est un petit mariage super simple là. On va au notaire dans le fond, signer paperasse pour officialiser la chose. Après ça, on va prendre des photos, des petites photos cute. Après ça, on s'en va chez mon frère là, tu sais. On va être genre 8-9 là. Nous autres, voulons ça, garder ça très simple. Le faire pour eux et non pour 120 personnes. Fait que donc, c'est ça. Bonjour! Il est rendu midi et quart. Donc, comme Boyfriend vous a dit, moi ce matin c'était pas la forme. Mais là, j'ai pris des médicaments, tout. Je me suis relaxée. Ça a fini par passer un petit peu. Tu sais, je suis pas top shape, honnêtement. Mais, pas quand on a pas le choix, on a pas le choix. Fait que, ben là, les pilules, ils font effet. Fait que, au moins ça, je suis un petit peu étourdie à cause des pilules ou du reste. Mais j'aime mieux être un peu étourdie que de pas filer pantoute. Fait que là, je me suis préparée. Il me reste deux, trois petites. Juste enlever mes étiquettes puis finir mes cheveux. Puis je vais être prête. Mais je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis de Maison Lavande. Il y avait une promo pour le mur Lavande que j'ai jamais senti. Honnêtement, si je sais faire attention à mes dépenses, fait que habituellement je prends pas mal plus de choses, mais là j'ai été raisonnable. On a quasiment plus de savon pour les mains, puis moi j'aime vraiment le savon pour les mains Maison Lavande. C'est quand même vraiment. Là, vu qu'il était en promotion, j'ai pris le mur Lavande, fait que je vais le sentir pour la première fois, fait que j'ai juste pris ça. Puis j'ai pris également une mousse pour le bain pour Lavande parce que le boyfriend a commencé à prendre des bains, donc ça va passer la mousse plus vite. Donc j'ai jamais senti lui au mur, puis en plus je suis niaiseuse parce que je voulais prendre le nettoyant du visage parce qu'on a quasiment plus de push-push, puis j'ai oublié. J'ai dit à quoi? Mur Lavande. Est-ce qu'il paraît ça? Ça va sentir le gyps. Bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment fort, bon. Ça sent doux, mais on dirait que je sens pas les murs là. Tu sais, ça sent la lavande plus que les murs chauds. Mais il sent vraiment bon.
Fait que bien contente, juste déçue de pas avoir le nettoyant, mais écoutez, je vais m'en passer, je vais m'en acheter au... Ça a-tu coulé? Ouais, je pense que c'est le petit échantillon qui a coulé, c'était la lotion velours à l'OS et l'avant. Donc, c'est ça, fait que nous, on va se prendre des petites photos vu qu'on est chic, puis on va s'en aller là-bas, je sais pas si... Ah, oh, puis boyfriend, il a dû vous le dire, mais il m'a amené un Starbucks pour me pas me récompenser, là, mais me réconforter plutôt. Fait que on se dit à plus tard, je sais pas si on va filmer des petits clips aujourd'hui ou non, mais sinon, on se reparle demain matin. Peace! Et ils vont me mettre en compte, c'est une blague, toi! Ouais, c'est une blague! Blague! Hein? Bon matin! On est rendu samedi matin. Il est quoi, 7h30? 7h33. Il est 7h33. C'est un petit matin gris ce matin. Gris. Et c'est ça, on a dormi. Ouais, c'est des fois, hein? Cette nuit, Taguine a eu peur. Je sais pas si c'était un feu d'artifice ou des orages, mais elle shakait. Donc, j'ai dû la consoler. Et puis là, aujourd'hui, plan match, là, on va probablement essayer de se faire un smoothie pour déjeuner. Et ensuite, vers 9h30, on doit aller chercher quelque chose, c'est quelqu'un. Une de nos boys YouTubers. Ouais. Donc, ça. Puis après ça, on s'en va direction le 10h30, car j'ai un retour à faire au Aerie. Et on va aller chez Starbucks! On va aller, comme vous avez tous voté en grand nombre, je pense qu'il y a 104 personnes qui ont voté pour que Boyfriend goûte les trucs d'automne. Ouais, il y a genre 10 personnes qui ont voté pour pitié. Même pas 10, je pense 8. Salutations à ma boy Timili Bougie. C'est la seule qui a été, mais une des seules qui a été gentille avec moi. Les autres, vous êtes tous des petites connes. Fait que il va être obligé de goûter avec moi à toutes les affaires d'automne. Fait qu'on va aller chez Starbucks, on va commander tout ce qu'on peut commander. Donc ça, c'est le plan d'aujourd'hui. Fait que là, ce matin, on vous parlera pas trop parce que tantôt, on va parler beaucoup au Starbucks. Je voulais juste vous faire un petit coucou. On se revoit dans l'auto, probablement plus tard. J'ai hâte. T'as-tu hâte, mon amour? Alors. Yo! Donc, il est rendu 9h35, on vient d'arriver au 10h30, on a fait un arrêt chez Rose Pastel. Je suis allée chercher ma commande parce que je lui avais commandé un coton à thé. Je vais vous le montrer dans mon haul. Yo, lui là, d'automne que danger au volant, lui. Que je vais filmer aujourd'hui. Fait que je vous le montrerai pas dans cette vidéo-ci. Sinon, ben le magasin que je dois faire un retour ouvre juste à 10h. Donc malheureusement, on va être obligé d'aller glander chez Homesteads! Oh, ben, ben triste de ça. Je me suis fait avoir. En plus, si j'ai réalisé cette semaine. Oups, c'est sacré. J'ai réalisé, je sais, mais c'était ça le gag, mon amour. Parce que tout le monde sont genre, quand ils sacrent. En plus, cette semaine, j'ai réalisé que je n'avais pas de tasse d'automne. Et puis là, j'ai failli me commander sur Indigo des tasses d'automne que j'ai vues la même journée que Mylène s'ils étaient achetés. Moi, puis Mylène, on est. Moi, ouais, je pense que je t'avais interdire à ma blonde de regarder les stories à Mylène. Quand elle les a achetées. Parce que j'ai failli les acheter ce matin-là. Puis là, finalement, quand j'ai vu que Mylène les avait achetés, j'ai dit, ah, oh, j'aurais dû les acheter. Sauf que je voulais venir voir chez Homsen si j'en aurais pas, que j'aimais mieux avant de l'acheter. Moi, puis Mylène, là. Je crois qu'on s'influence dans le bis. Donc, on s'en va chez Homsen. La grande déception. Il n'y avait pas de tasse d'automne. Fuck all, esti. Fait que là, on attend. Le aéré ouvre dans 4 minutes pour que je puisse faire mon retour. Ensuite, on s'en va chez Starbucks. Puis pour les tasses, ben, je vais attendre ou ben, je vais m'en commander une en ligne. Ou je vais juste patienter. Tu devrais aller chez Céramique Café, t'enfant. On pourrait faire ça, mon amour. Pas aujourd'hui, là, mais. Donc, c'est ça. Je pense que
ça va être bon ou t'as pas assez? Je vais laisser la miniature. On ne va pas assez à faire, je pense. Ok, puis fais-en un petit peu plus loin. Yo! Starbucks! Starbucks, bitches! Donc, on a tout pris le menu d'automne, ou presque. On a pris, On a tout pris les drinks. Ouais. Mais on a juste pas tout pris la bouffe. Ouais. On a des petites limites, là. Tu veux commencer par quoi? Je te laisse l'idée, mon amour. Donc, on commence par les chauds ou par les froids? On peut faire un chaud, un froid, un chaud, un froid. Puis là, l'histoire, c'est que Boyfriend était... Je vais mettre la story ici. Boyfriend, j'ai envoyé que les drinks étaient sortis parce que je savais la date à laquelle ils sortaient. Ben, j'attendais ça impatiemment. Puis là, il y a 8 parce qu'il y a 8 tout le temps. Parce que vu que ça dit citrouille, lui, wesh caca, il voulait pas y goûter. Il y a même pas de citrouille là-dedans. Là. C'est juste un homme de principe. C'est juste des épices. Arrête de 8. Puis là, j'ai fait un sondage sur Instagram et je me rappelle plus des pourcentages. On l'a dit tantôt. Mais en tout cas, on vous l'a dit tantôt. Fait que là, il est obligé de goûter à tout ça avec moi. Fait que je suis très excitée de voir s'il veut aimer ça. Ben, on va commencer, je pense, par le classique, qui est le latte à la citrouille épicée qu'il y a chaque année. Par contre, nous, en général, on a mis du lait d'avoine. Puis on a pris des petits parce qu'à m'emmener, ça fait. Ok. Fait que tu veux. Ben, attention, ça va peut-être être chaud, par exemple. Mais c'est pas ça le but. Ben oui, mais je veux juste. Fait que lui, c'est citrouille. Latte à la citrouille. Épicée. Ça, c'est lui qui a à chaque année. C'est trop chaud. Ça goûte très épicé puis sucré, là, d'habitude. Mais ça se bouille. Ça goûte pas citrouille? Non, mais j'aimerais ça que ça goûte plus la cannelle puis moins le clou de girofle. Ah, ben peut-être... Parce que là, la nouveauté cette année, il me semble qu'il n'y avait pas ça l'année passée, c'est... croustade aux pommes. Fait que c'est le latte à la croustade aux pommes. Mais nous, on a pris avec lait d'avoine. Fait que ça, c'est la nouveauté. Moi, j'ai jamais goûté. Ça, il y a plus de chances que. Lorsque j'aime ça. Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Pas gênant, ça. Genre, j'aime beaucoup le pumpkin. Ouais, j'ai bien de la misère à parler aujourd'hui, je m'excuse. J'aime vraiment le pumpkin spice, mais genre, agréablement surpris de l'autre. Ça goûte un peu, genre, une certaine sorte de céréale. Je sais pas. Mais il détrompe quasiment l'autre. Ben, tu sais, ça fait. Ouais. Ensuite, on a le... Mais c'est là, c'est l'affaire, c'est que c'est pas mélangé. Oh, mais tabarnak, attends, moi je sais comment mélanger ça. J'ai déjà vu Marc-Antoine faire. Ben attends, on va leur montrer avant, ça va dire quoi. Ça, c'est le croustade aux pommes, latte glacé, je pense. Macchiato croustade aux pommes glacé. Tu veux le bosser? Ouais. Marc-Antoine, il met son petit doigt ici, là. Mais son grand doigt, lui, il a l'air d'être grand tabarnak, Marc-Antoine. Great shake, ça de même. Ça marche, ton truc, Marc-Antoine. Ok, tu voulais pas éviter. Donc ça, c'est le macchiato croustade aux pommes glacé avec lait d'avoine. Ça, je suis pas bon, c'est fucking bon. Hein? Oh, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment bon. Coup de cœur! Ah, c'est bon! C'est bon, mais tu sais, tu bois ça à l'automne, genre. Mais là, à ces temps-ci, genre quand il fait pas encore full automne, je l'aime beaucoup. Ça fait changement. Mais ça, c'est plus dessert un peu. Ouais, c'est doux. Je m'attendais à pas l'aimer en froid, bon, je sais pas pourquoi, on dirait que je m'imaginais pas m'avoir de la misère à faire mon ranking, je pense. Et le dernier. Et non le moindre. Ah là, il s'est délayé un peu, c'est plat parce que la crème était vraiment... Puis ils ont mis le collant à mauvaise place. Ouais, forcez-vous un peu, là. Ça, c'est le cold brew avec le sweet cold foam. Je sais pas, je me sens en fait, c'est quand je dis sweet cold foam. À la citrouille épicée. À la citrouille aux épices d'automne. Citrouille épicée ou... Je me rappelle plus du tout. C'est citrouille, hein? Fait que... Ça, je pense que j'avais déjà goûté l'année... le 2 ans à Paris. 3 ans? 2 ans? C'est bon, mais c'est l'affaire qui goûte le plus le café, là. Tu sais, qui est le moins sucré. Je prendrais plus ça, genre, quotidiennement, là. Tu sais, ça ressemble au latte. Parce que moi, habituellement, je prends le latte glacé ou cold brew avec juste le cold foam. Fait que ça ressemble plus à ce que je prends. Ouais. Fait que dans les breuvages, c'est quoi ton préf? Y a rien de pas buvable. C'est dur à dire. Ça dépend comment tu fais, genre. Ouais. Ça fait vraiment automne en estime. En tout cas, j'aime vraiment mieux les ceux à croustade aux pommes que ceux au pumpkin spice. Mais j'hésite entre le froid puis le chaud, parce que ça, c'est ça. Ça dépend de ton mood. Mais à matin, on dirait que je sens le chaud, il me tente plus. Ouais, parce que c'est grisant, ouais. La température d'automne. Mais croustade aux pommes, hard day.
Je dois avouer que je suis agréablement surpris par Constant d'Opa. Donc, on va passer aux choses à manger. Ça, là, mesdames et messieurs. On va t'aider aujourd'hui, mes amis. On a pris, checkez-moi le beau biscuit. Ah, oh, je l'ai pas vu. Ah, oh, ben, we're doing an Instagram photo before you eat it. Oh, I got an English girlfriend. Pas encore fond. Le crémage est bon, mais le biscuit en tant que tel. Ah, il est bon, le biscuit. Ah, il est bon. Mais c'est ce genre de biscuit. Hein? Ouais. Puis ensuite, on avait un petit muffin à la citrouille, fromage à la crème. Il est supposé être chaud, mais là, il doit être un malaise. Non, ça, c'est pas mal sûr, j'aimerais pas ça. Pourquoi t'aimerais pas ça? C'est comme quand tu pensais que t'aimais pas le gâteau aux carottes, puis finalement, après ça, t'aimais ça. La seule affaire, c'est que ça goûterait trop le clou, mais moi, c'est le fromage à la crème. J'aime ça, le fromage à la crème, mais là, je sais pas, celui-là, il goûte surette, genre. Ben, moi, j'aime pas ça, les gâteaux au fromage. Là. Mais le muffin, il est très bon. Yo, ça touche pas! Ben oui, le muffin, il est très bon. Très est un grand mot, là. Mais il est bon. Il est moelleux, c'est pas comparable au muffin au thé. Fait que c'est ça, boyfriend, est-ce que t'es mort? Est-ce que t'en veux à nos abonnés de t'avoir forcé ouais. à goûter? Tu leur en veux? Ouais. Même si j'avais trouvé ça malade, tu forces pas quelqu'un contre sa volonté. Donc, c'est ça, fait qu'on va être speedo aujourd'hui. On a pas mal de café à boire. On a aussi pris une petite traite pour notre cher ami. On va aller lui porter ça car elle travaille aujourd'hui. Puis ensuite, on va sûrement arrêter à l'épicerie. Puis ben, on va finir nos breuvages. Puis après ça, on va s'en aller à la maison pour le reste de la fin. Ah oh, non, demain, on a de quoi. Mais bref. Ouais, fait qu'on se reparle un petit peu plus tard. Soit quoi, demain? Ah, oh, c'est vrai. Moi aussi, j'arrête pas d'oublier. Je suis habituée que dimanche, on ne dort pas chez nous. Ok, bye bye. Donc, il est rendu midi et demi. On vient d'arriver à la maison. On ne fera pas un gros haul parce qu'on n'a pas acheté grand-chose puis c'est pas super intéressant. Je vais juste vous montrer les trucs spéciaux qu'on a achetés. On a acheté le granola de Hot Box au café glacé. On dirait que je ne sais jamais quoi déjeuner ces temps-ci. Puis là, j'ai envie de me faire des genres de gruots, mais j'aime ça me mettre du croquant dessus. J'ai également... Taquine à s'ennuyer. Ça fait deux jours qu'on n'est pas à la maison. J'aime également mettre du beurre d'amande sur mes genres de bols de même. Ou je vais peut-être me faire des trucs graines de chia. Puis sinon, on a pris ces cuisses de poulet au citron confit qui a de l'air bon, qui est spécial. Sinon, on a acheté du tofu, du fromage, du pain, de la salade, des petites affaires comme ça. Puis là, ben dans le fond, on... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je fasse de rôle, mais finalement, t'en fais un. Tu m'écoutes jamais quand je parle. Puis là, c'est ça. On vient de revenir à la maison. On va serrer l'épicerie. On va peut-être grignoter un petit peu. T'as-tu faim? Un peu. Et on va fermer le vlog là parce que je crois qu'avec les taste tests de Starbucks, il va y avoir pas mal de stock dedans. Puis on va commencer un autre vlog. Puis également, je vais probablement filmer une petite vidéo aujourd'hui. Fait que n'oubliez pas de nous mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Également, merci d'écouter, de prendre le temps d'écouter nos vidéos. On est vraiment reconnaissant de ça. On vous le dit pas souvent, mais on est reconnaissant que vous preniez de votre temps pour écouter nos petites vidéos. Fait que gros bisous. Puis Boyfriend a prêté son corps à la science pour vous. Oubliez pas ça. Tu dis-tu quelque chose? Je vous emmerde. Bye! Peace!